基本的なルールは省いていいのかな。Salut tout le monde, on est samedi, il est 10h30, je suis sur le terrain de la Easy Company Battlefield, on doit être une quarantaine aujourd'hui, terrain extérieur, terrain forêt, du coup là ça va bientôt partir, je vais jouer au Mark 23, au M4 de Fox parce que je n'ai toujours pas mon HK 416 et je vais jouer aussi au VSR10 donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Donc, ça ressemble à ça, la zone 9 là aujourd'hui. Easy Company. Donc je vous dis à tout à l'heure. On joue. Allez, c'est parti, côté rouge. Dakar, one guy. Okay. 11 hours for you. Behind the building. Yeah, red team, AK team.
c'est celle-là en fait. Ça joue en full à la Cycle. Bon, je me suis vachement délesté. Vous allez voir, j'ai plus de gilet, j'ai plus rien. Je vais essayer mon V-service. Je l'ai eu. Je lui remarque. Thank you.
Are you okay? 楽しくなくなったら別のとこに移動しますよ。Just here. Yes. Nice. Donc on va partir au Combini. Je voulais juste montrer que il y a des voitures sympas. Là on va monter là-dedans, mais il y a des voitures sympas. Petite Honda Civic et enfin il y a. Bon, j'y connais que dalle en bagnole. Mais c'est ça. Donc on est au Combini. Donc Combini, il y a les Seven Holdings, les Lawson Store, il y a plein de choses différentes. Donc c'est des petits magasins ouverts 24 sur 24 où on peut acheter tout. Genre j'avais plus de piles dans ma dot de Mark 23 hier et j'y suis allé à 2h du matin, j'en ai trouvé quoi. Et on peut trouver. Des produits de beauté, de la lessive, des magazines de cul. Il y a vraiment plein de trucs. Ah, des tampons pour signer. Donc voilà, donc je vais faire mes petites courses et puis je vous montrerai ce que je vais acheter. Enfin, ce que je vais me prendre à bouffer. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, on est revenu du Combini, mais tout à l'heure on s'est barré comme des sales. Du coup, je vous montre les voitures qu'il y a. Bon, je sais même pas ce que c'est. Il y a pas de. Il y a un spinner à l'arrière, quoi, la blague. Donc c'est pas une Honda, je me suis complètement planté tout à l'heure. C'est une Subaru. Ça a trop de la gueule. Ah, pardon. Petite Subaru. Siège baqué et tout, méchant aileron. WRX Subaru STI. Impreza Toyota Suzuki Swift. Et là on a une petite GTR Skyline. Une méchante sortie d'échappement. Parce que c'est ça aussi le Japon hein. Les belles voitures hein. Ça c'est pour toi mon petit Walt. Je sais que t'aimes bien les voitures qu'on de la gueule. Micus aussi, je sais que toi, ça serait ton rêve. Et sinon, on a ça. Kawaii. Bon, je sais pas ce que c'est comme marque. Ça, c'est des petites voitures japonaises, hyper compactes. Petite peinture sympa, quoi. Bon, je vais manger. Je vous montre après ce que c'est. C'est la pause, on est en train de manger. Bon appétit. Bon appétit. Du coup, je me suis pris une sorte de petit chausson pizza. Pour moi, ça ressemble à une calzone. Et puis, petit sandwich. Genre... des triangles sous les bras, t'as vu? Et des sandwichs au porc pané. Méchant morceau de porc. L'avantage des petits Lawson comme ça là, et enfin tous les combinés, ils vendent des trucs assez chauds. Enfin des trucs frits, des trucs. Il y a vraiment plein de choses. Même un petit cure-dent pour la fin. Pour curer les dents. Donc, pas mauvais. Donc je crois qu'aujourd'hui on doit être une trentaine, quarantaine de joueurs.
On a de la chance, on est épargné par la pluie. Et du coup, bah, j'ai le problème de buée, quoi. J'ai beau mettre de l'anti-buée. Je sais pas si c'est que j'ai tellement chaud. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup le terrain, même si c'est de la forêt. C'est pas très très grand, mais c'est hyper vallonné. Donc il y a pas mal de tranchées, de petits trucs, vous avez dû voir dans les vidéos. Mais franchement, c'est sympa. Bon, je vais pas cacher que des terrains comme la Wild Trigger, ça me manque quand même au Japon. Hein, on n'en trouve pas. C'est que des trucs un peu dans ce style-là, aménagés et tout. Mais du coup, c'est quand même intéressant de voir autre chose. Donc j'espère que vous appréciez. Donc je vais manger tranquillement et puis je vous dis à tout à l'heure en game. Des bisous. Donc on est en assaut défense. J'ai changé d'équipe avec Taka et d'autres joueurs. On est passé en jaune pour rééquilibrer. Parce qu'il y avait un gros avantage de l'équipe rouge tout à l'heure. Donc là c'est assaut défense. Semi-only. Et nous on n'a pas de spawn. C'est uniquement une touche, on est dead. Donc on va essayer de pas se faire sortir dès le début. Allez, ça lance. Je désherbe. Oh, je l'ai eu. J'ai tiré en mortier. Je l'ai eu.
Mon dot sight était complètement déréglé. You have full auto. You need to just put. C'est en haut. C'est abusé. C'est nimpe. Imaginons que c'est un mec là. Funny. Bon, par contre la portée est pas ouf hein. C'est 30 mètres un grand grand max hein. Bon ben c'est la fin de journée hein. Il commence à pleuvoir donc on a eu de la chance, enfin il commence à bien pleuvoir donc c'était sympa mais bon forêt quoi, c'est un peu dommage quoi, ça me manque les terrains bâtiments quand même. Bon allez, je vous dis à plus tard et puis ben maintenant je sais pas quand est-ce que je vais rejouer là prochainement. Le 11 novembre j'ai le Tokyo Game Show donc j'irai et puis on verra toutes les nouveautés qui sortiront. Allez, je vous fais des bisous, à plus tard.